tous. Comme convenu, je me retrouve sur un plan d'un barrage, une centaine d'hectares, hein, je ne sais plus si c'est 80 ou 100, ou enfin c'est peu importe. On est bien arrivé, on a tout bien installé. J'ai déjà posé mes 4 cannes que je vous montrerai tout à l'heure. Donc ma façon de pêcher, c'est bateau à morsure qui est là. Ici on a le droit au zodiac, hein, donc le bateau à morsure qui est là, de chez Boatman. Ma pêche, ça va être avec ça, 4 points GPS que j'ai déjà pris, et d'essayer de voir un peu le poisson, où est-ce qu'il se trouve. À l'éco-sondeur, j'ai rien vu encore, hein, après voilà, je suis là pour quelques jours, donc éventuellement de voir le fonctionnement du poisson. J'ai vu un saut tout à l'heure, mais tant que j'ai installé, donc je ne pêchais pas encore. Donc je vais pour pêcher, je vais pêcher 4 appâts différents. Donc là, je mets une petite bouillette avec 3 petits maïs. On va essayer comme ça. Après, sur une autre canne, je vais mettre noix tigrée avec petite mousse entre. Sur une autre canne, une petite bouillette mais en rose que j'ai fait spécialement. Et sur la quatrième canne, je mets petite bouillette avec petite pop-up creusée à l'intérieur. Donc j'ai préparé aussi petite bouillette rouge, rose, la couleur myrtille, je vais mettre dessus. J'en ai préparé plusieurs. Il y en a aussi encore une, vous voyez. Donc, ouais. Je me suis préparé un peu plusieurs appâts pour essayer de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc dans les jeux concours, je suis actuellement, mais bon, après je prends contact avec les gens, il n'y a pas de gagnant, hein, sur là. Vous avez vu la vidéo que j'ai mis et que j'ai coupé entre tous les vidéos. Vous êtes en train de regarder cette vidéo là où je propose à partir de 2024, l'association Bicarbolise vous propose un stage, une initiation de pêche à la carpe pour une personne à la fois. Je dis bien pour une personne, pas une bande de copains, comme il y en a plein qui appellent, qui veulent venir à je sais pas combien, là. Ça, il est hors de question. On est là pour apprendre. Moi, je veux échanger avec cette personne, lui apprendre les bonnes techniques de pêche, enfin les techniques que moi je sais. Je sais pas si c'est les bonnes, mais c'est mes techniques à moi. Et puis tout le monde me dit qu'elles sont bonnes. Et puis le partage, et voilà, c'est pas pour ramener une zizanie de copains, ça c'est hors de question. C'est une personne et c'est 2 cannes, c'est tout pour cette personne. Donc j'allais vous montrer un peu les spots que je pêche. Je me suis mis en retrait dans la forêt derrière. Les conditions climatiques sont entre deux, hein, c'est soleil et nuages. Mais ils annoncent apparemment une grosse dépression pour début d'après-midi avec énormément de pluie. Donc j'ai déjà tout bien amarré et tout préparé. Donc on va descendre vers les cannes. Vous voyez. On va préparer la centrale. Le panneau solaire qui est déjà mis en place pour charger. On entend l'usine là-bas à côté, hein, c'est le plan d'eau du bruit. Donc voilà les 2 premières cannes. J'ai préparé la frontale parce que je vais pêcher de nuit. Je serai obligé, si ça ne mord pas la journée. Ils sont déjà tendus. Hein. C'est les appâts que j'ai fait en double que je vous ai montré. Donc voilà, vous voyez, le niveau d'eau, il est extrêmement bas de ce plan d'eau. Hein. C'est comme partout. Enfin, c'est des plans d'eau qui servent à alimenter un canal. Donc, s'il ne pleut pas beaucoup, forcément, il tire dessus. Et ah ben, ça baisse. Hein. Il manque plus que à peu près 2 mètres d'eau au niveau d'hauteur. Mais il y a encore de l'eau. Hein. En passant l'éco-sondeur, il reste encore 4,40 dans le lit du plan d'eau, hein, sur le milieu. Là, tout est prêt. Les sacs. Et voilà,
ça c'est donc les deux autres cannes qui pêchent. Donc j'en ai mis une à 40 mètres du bord là, juste au creux de la cassure avant que le lit commence. Et l'autre, je l'ai placé à 80 mètres. C'est pas la peine d'aller chercher le poisson très loin. Hein. J'ai placé un peu en éventail pour voir sur la zone de passage que le poisson passe. En face, il y a les hérons là, ils se plaisent bien. Ouais, très très joli plan d'eau, hein, magnifique. Là-bas, il y a l'usine derrière. Hein. Là-bas, vous avez le barrage. Puis de l'autre côté, ça repart en fer à cheval. Mais vous le verrez au début de la vidéo avec le drone. Je vais le filmer complètement avec le drone. Ah ben, je vous montrerai tout à l'heure comment je pose au bateau amorceur avec l'éco-sondeur. Donc je reprends tout à l'heure. Donc je viens de faire sur le matin une belle petite miroir. J'ai déjà fait des autres poissons que j'ai relâchés directement à mes pieds. Là j'ai le soleil en pleine gueule. Elle est toute excitée la cocotte. Je vais vous la montrer. Calme-toi. Oh là 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 là. Doucement. Prendre son temps. Non. Un vrai élastique, hein. Oh là 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 là. Belle petite miroir. Toute nerveuse. Oui. Voilà. Prise à la bouillette. À la bouillette à l'ail. Et bicarbonise. Allez, hop, viens là. Non, non, non. Je te laisse faire. Encore une fois, voilà, belle petite miroir, voilà, qu'à passer pour la remettre à l'eau. Donc voilà le deuxième, non c'est pas le deuxième, le quatrième poisson. Une belle petite tarte aux pommes, avec un bel écaillage, un peu plus grosse que l'autre. J'ai essayé de vous la montrer si elle veut bien, mais c'est comme d'habitude. Arrête. Ah là 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 là, elles sont terribles. Hein. Il faut... Magnifique poisson. Qu'on va passer. Donc sur la soirée là, je viens de faire une belle petite commune, enfin une belle. Déjà un beau petit poisson. Je vais vous montrer. Si elle est bien sage, comme d'habitude, c'est le cirque dans la bassine. Calme-toi. Voilà cette magnifique commune. Et j'ai mon voisin qui est en train de tirer un poisson avec ma canne. J'ai eu un doublé. On va passer pour la remettre à l'eau. Bon poisson, à l'arracher. Donc le doublé, la deuxième elle arrive, hein. Mon voisin m'a aidé, heureusement, j'ai un super voisin à côté de moi, elle est vraiment sage elle, magnifique miroir, c'est pas des trop gros poissons comme vous avez l'habitude de voir, mais quand même je suis au lac de barrage, et c'est assez compliqué à pêcher, il y avait quelqu'un qui pêchait avant moi sur le spot, pendant 4 jours il a fait capot, et moi je prends du poisson, voilà on va passer pour la remettre à l'eau. Début d'après-midi, un beau petit poisson avec une petite fille qui veut m'aider. Tu t'appelles comment? Océane. Océane. Avec Océane, elle va vous montrer ce beau poisson. Un petit câlin. Tu vas passer sur YouTube avec le papy. Hein? Papa, papy. Non, mais moi, c'est le papy. Papa est là. Et David est à côté de moi. Câlin. Tu fais câlin YouTube? Ah, un câlin à la carte. Il est gentil. Mais pas un bise. Vas-y, vas-y. Vas-y, ne bouge pas. On la remet à l'eau. Dis quelque chose. Tu veux que. Il est là, guide. Tu veux que le tonton la remet à l'eau? Voilà. On va la remettre à l'eau maintenant.
Donc je continue de me lancer, elle est un peu plus belle. J'avais augmenté un peu au niveau des bouillettes. Elle a une très très belle queue, comme moi bien sûr. Elle est bien sage. Une couleur très palote, très blanche. Mais c'est les poissons d'ici, ils sont comme ça. Très beau poisson. Prise avec 3 bouillettes. On change un peu les casse-croûtes. On va passer pour la remettre à l'eau. Vous avez vu la queue, hein? C'est magnifique ça, une belle queue comme ça. Hein. On remet à l'eau. Donc sur le matin de bonne heure, on va faire une belle miroir avec des belles écailles. Moi, joli poisson. Je vais vous montrer. Elle n'a pas assez combattu, elle est toute nerveuse. Elle est toujours dans le tapis, elle sort en pleine forme. Ah, t'as ma cocotte. Voilà cette belle miroir. Très joli poisson. Longueur. Magnifique. On va passer pour la remettre à l'eau. Beau poisson. Donc après la sieste de l'après-midi, belle petite miroir. Hein, tu as vu, c'est un joli poisson, hein? Hey, t'as vu, puis elle est sage. Oui, tu peux venir la caresser, viens la caresser. Voilà. On va la remettre dans l'eau. Hein, on la remet dans l'eau. Prise à la petite bouillette. C'est pour la remettre. Donc je vais faire un bon poisson, une belle miroir. Je vais vous la montrer si elle veut bien la petite. Voilà, comme d'habitude, 2-3 petites claques. Cette belle miroir que je viens d'attraper au zig. C'est pour moi la première fois. Ben, je viens d'essayer et j'ai attrapé un poisson au zig. Parce que je le voyais tout en surface. Donc je voulais essayer pour voir ce que ça peut donner. Résultat, il est là, dans le tapis. On va la remettre à l'eau. Donc après les quelques poissons que vous avez pu voir, que j'ai pris, je vais essayer de pêcher, voir un peu, parce que je pêche beaucoup avec des petits appâts. Donc je vais essayer de voir, de prendre, de monter en grosseur au niveau des appâts. Donc je me suis préparé un hameçon qui est là, vous voyez, avec un super gros casse-croûte, pour voir si éventuellement j'arrive à prendre un poisson un peu plus gros. Bon, j'ai fait un poisson de quand même pas loin des 20 kg, non, plus que 20 kg, je sais plus. Ouais. Vous les voyez pas toutes, hein. J'en relâche à mes pieds, mais j'ai quand même fait quelques poissons, hein, en sachant qu'il y avait un Hollandais qui pêchait sur le spot avant que je suis arrivé. Il a fait 4 jours capot. Hein. Puis il y a du monde un peu partout. La pêche est compliquée. Sur ce début de pêche, je fais quand même déjà 23 touches et 22 poissons attrapés. La plus belle, bah, une vingtaine de kilos. Et puis de 10 kilos, 15, 16 kilos, 17 kilos. Donc j'ai quand même quelques beaux poissons. Mais le premier jour de pêche, on était en dépression, donc elles ont un peu plus mordu. Là, c'est lourd de 3-4 touches dans la journée, hein, et puis la nuit, il n'y a rien du tout, je ne pêche pas. Donc, je voulais revenir sur un petit point. Donc, dans une vidéo que vous allez voir plus tard, vous verrez, il y a ce bateau amorceur que j'utilise, Bootman, qui est là. Alors, c'est une merveille, hein. C'est vraiment, maintenant j'utilise plusieurs fois, hein. C'est vraiment un super bateau. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais allumer la télécommande. Donc vous voyez, je pêche sur les 4 points GPS qu'il y a dessus. Au-dessus il y a l'éco-sondeur, mais je ne l'utilise pas parce que j'en ai pas besoin, hein. C'est vraiment super, hein. Il fait le travail tout seul. J'appuie sur ce bouton qui est là au début. Il me demande si je veux poser la canne, ouvrir les trappes. Donc je fais yes, yes, yes partout. Il part, il va vider et j'ai fait le point de repère, arrivé maison. Il fait tout extrêmement tout seul.
Il n'est pas trop énergivore. Il est super précis, hein, parce que dans une vidéo plus tard que vous allez voir, j'ai fait du Robésien pour voir. Hein, et vraiment, il est top. Après, tout dépend peut-être des régions. Là, je travaille, il y a 12 satellites. Hein, il me marque qu'il y a là, zéro parce que le bateau est éteint. Mais je travaille avec, il y a 12 satellites. Il a capté 12 satellites. Hein, donc vraiment, il est vraiment top. Alors, je mets un peu de baby-corn avec, j'ai le saut en bas, je ne vais pas le chercher maintenant. Je mets un peu de baby-corn avec du maïs doux pour l'amorçage. Quelques bouillettes, mais pas beaucoup, hein, parce qu'on est quand même en lac de barrage. Et j'amorce énormément au cobra. Hein. Je fais 4 voire 5 passages d'amorçage dans la journée au cobra le matin de bonne heure. Et puis là, je viens d'en remettre. Je vais en remettre sur le coup de midi, je vais en remettre dans l'après-midi. Et un peu avant la fin de la soirée, ça peut éventuellement me déclencher une touche. Donc ça, c'est au niveau de ce bateau là. Alors c'est le full option, hein. Je crois il fait 1200 ou 1300 euros, je sais pas exactement le prix, mais c'est vraiment un produit du Tonnerre qui est distribué par Trois Frontières Pêche en Alsace. Je trouve, voilà, moi je suis pas pour une marque, hein. je vous montre les choses que j'utilise et les choses où je suis vraiment satisfait, hein. C'est vraiment un produit super excellent. Ça remplace le Zodiac. Hein. Bon, il n'y a pas d'obstacle. Vous êtes chercher les poissons en bateau, hein, on peut les ramener au bord. Mais pour ces pêches-là, il va hyper bien. Ça, c'est un point déjà. L'autre point que je voulais aborder, c'est que dans la vidéo que vous avez pu voir avant, j'ai lancé une sensibilisation pour les gens qui veulent venir pêcher. Bicarboilis leur propose ça. Donc, il ne reste plus beaucoup de place déjà. Hein. Il y a énormément de gens qui ont appelé. Donc faites vite ceux-là qui veulent venir avec des dates. Enfin, vous m'appelez, vous avez le numéro de téléphone dans la vidéo. Il n'y a aucun souci. Après, il y a une autre chose que je vais aborder avec vous. Il y a quelque chose qui me fait rire. C'est quand je regarde un peu sur les sites comme Facebook, sur les réseaux sociaux, je vois les gens qui font des photos avec des carpes. Ils sont un peu genre comme ça, crispés. Alors ça me fait trop marrer. Alors je me demande si c'est leur marque qui leur demande de faire comme ça, genre, ou s'ils ont honte avec ce qu'ils pêchent au bout de la canne, avec le poisson qu'ils ont attrapé. Mais moi, quand je vous montre un poisson, faites un sourire. C'est pas la peine de faire genre comme ça, vous avez rien à cacher. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Donc on va continuer encore cette pêche sur 2 jours, en espérant de voir éventuellement encore de faire peut-être un plus gros poisson. Mais la pêche est un peu compliquée quand même depuis hier, c'est plus 7-8 touches dans la journée, c'est 2, 3, 4 touches dans la journée. Vous voyez, c'est vraiment tout calme, il n'y a rien du tout, il n'y a pas beaucoup de vent, il fait beau, il fait chaud de nouveau. On a eu 2 matins à 3 degrés, mais là, les conditions climatiques sont calmes. Et puis j'ai les touches, alors ce qui me surprend beaucoup, j'ai pas les touches le matin de bonne heure, c'est que j'ai les touches à partir de 14h l'après-midi. Et ça, c'est vraiment drôle parce que d'habitude, ben, moi, j'attrape mes poissons le matin. Ben là, ben, j'ai beau me mettre aux aurores au bord de l'eau, il n'y a pas une touche. Ça démarre à partir de 14h jusqu'au soir. C'est là que le poisson mord. Mais bon, après, ce n'est pas des heures stables. C'est un peu instable. Hier, c'était 15h30. Avant-hier, c'était 12h. Donc, c'est à partir de 12h et puis jusqu'à la tombée de la nuit. Et voilà, on est parti sur une touche. Alors les touches, elles sont pas trop nerveuses ici, c'est sur la canne rouge. Ah, elles sont toutes calmes, mais elles font des touches. Voilà. Ah, donc comme vous avez pu voir, le petit bip qu'il y a eu, ces demoiselles ne font pas de belles touches, hein, mais... Au bout de la canne, en fait, il y a un très très beau poisson. Ça fait la deuxième plus grosse que j'attrape quand même. Je vais essayer de vous montrer. Si elle est bien sage, tu vas te calmer. Je t'ai mis trop d'eau, c'est pour ça. Voilà, reste sage. Tu vas attendre. Pas évident quand les poissons sont plus lourds, hein. Voilà cette magnifique miroir qui
qui veut toujours nager un petit peu. J'essaie de vous la montrer un peu mieux quand elle va se calmer. Très très beau poisson. Regardez les beaux coups de queue qu'elle met. Attrapé avec le gros casse-croûte que je vous ai montré dans la vidéo. Ça a payé. Ça fait un poisson un peu plus gros. On va passer pour la remettre à l'eau. Donc je continue sur ma lancée avec mon gros casse-croûte. Effectivement, ça paye. Parce que bah, c'est le deuxième poisson que je fais avec cette canne. Le troisième déjà depuis ce matin. Comme j'ai les touches qu'en début d'après-midi. Depuis midi, c'est j'ai fait en 1h30, là j'ai fait trois poissons. Et celle-là, vraiment, elle est vraiment magnifique. Hein. Alors là, on commence déjà sur des plus gros poids maintenant. Hein. On a pu passer la barre des 13-14 kg. On est beaucoup plus élevé. Hein. Je vais vous la montrer. Très très longue. Hop, 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 hop. Elle est en pleine forme, hein, comme d'habitude. Hein. Dans le tapis, ça y va. Hein. Et voilà cette belle grosse carpe de barrage. Magnifique poisson. Longueur exceptionnelle. À bel écaillage. Vraiment, elle m'a fait un super bon combat la canne. Par contre, la touche, comme d'habitude, 3 bips pour dire ah, je suis après. Et puis après, c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre. Mais je sais de toute façon, c'est touche carpe. Donc, on va passer pour la remettre à l'eau. Ce très beau poisson majestueux, vraiment. Très long poisson, très lourd. Donc pour terminer la soirée, je viens de rattraper une très grosse, enfin une très belle boule avec toujours mon gros casse-croûte. Un poisson qui gigote beaucoup, qui est toute nerveuse, mais c'est pas grave. Allez bien ma cocotte. Non. Ça va te laisser montrer là pour 30 secondes. Voilà. On va y arriver. Magnifique boule pour terminer la soirée. Heureusement qu'il y a le tapis, hein. C'est tombé par terre. Non, calme-toi. Calme-toi. Je te remonte. Tu veux pas te laisser montrer, hein? Dis donc. Elle est toute nerveuse. Elle va finir par se calmer. Avec plein de lait. Non. Fallait combattre comme ça au bout de la canne, elle me fait un super beau combat déjà. On va finir par y arriver. Voilà ce très beau poisson qui va encore faire un petit peu le cinéma. Magnifique. On va passer pour la remettre à l'eau. Très très joli poisson. Donc sous le beau soleil du matin, première touche le matin. Cette belle miroir, très joli poisson qu'on va passer pour remettre à l'eau avant qu'elle soit plus sage. Et voilà, on est parti sur une touche, enfin une qui déroule. Je peux vous la montrer. Donc après le beau déroulé que cette mademoiselle m'a fait, enfin il était temps d'une belle touche et pas trois bips. Celle-là, elle a fait vraiment un joli déroulé, mais un très gros poisson à la clé. Si elle veut bien être sage. Calme-toi. Non. Tu vas être sage. Tu vas être sage, s'il te plaît. Non. Viens là, ma cocotte. Tatatate. Ah, elle est terrible, hein? Magnifique miroir. Très beau poisson. Poisson de barrage. Très pensu. Beau combat au bout de la canne. On va passer pour la remettre à l'eau. Très joli poisson. Donc j'ai essayé de vous faire une petite vidéo avec le bateau. Je ne sais pas si ça va voir avec le soleil.
avec l'écho-sondeur et la télécommande. Donc là, je vais aller pêcher sur le point numéro 4. Donc je vais appuyer une fois sur le bouton. Oui, yes, yes, yes. Et le point numéro 4, il y va. Donc c'est pas évident de tenir la canne et de filmer, hein. Avec le soleil en plus, on voit pas grand chose. On peut à peine distinguer le fond, mais vous voyez, l'écho-sondeur est en couleur. Le bateau y circule sur le point numéro 4. Je vais faire un peu d'ombre. C'est la canne qui pêche avec le gros casse-croûte, hein. J'ai fait pas mal de touches avec cette canne, mais j'ai aussi fait de la touche avec la petite biposée. Hein. Et j'ai fait un poisson au zig hier. Vous voyez, on est dans la cassure là, il y a 4 mètres 3 de fond. Le bateau, j'essaie de voir si on le voit avec le soleil. Vous voyez, il file là-bas. Tout seul comme un grand. Donc il fait tout seul. Hein. Normalement, il doit aller entre les deux arbres qui sont là-bas. Il doit se positionner là-bas. On va reprendre l'écho-sondeur, on va voir. Donc, vous voyez, on a 4,50 de fond. Température de l'eau 22 degrés, hein, une eau extrêmement chaude. Et mon bateau qui suit toujours sur le point numéro 4. D'ailleurs, il va bientôt y arriver. Il y a un peu de poisson qui se promène là. Il nous montre un peu de poisson. Un peu beaucoup même. Donc il arrive en plein sur le coup là. Là où je pêche. Donc là, il est arrivé. Il vide. Il est en train de poser la canne. Il vide les trappes. Il referme tout. Et il revient. Donc, vous voyez, je manipule aucune manette. Je fais strictement rien du tout. Il fait vraiment tout seul. Donc la canne, elle est posée. Et le petit bateau amorceur qui est là-bas est en train de revenir à la position que je vais programmer, position maison. Il fait vraiment ça tout seul comme un grand. Il est vraiment, c'est vraiment un truc vraiment fantastique. Hein. Il n'est pas dur à manipuler. Hein. Je pense que n'importe quel pêcheur a l'accès à ce bateau. Et puis, il y a 2 jours, quand il y avait eu la grosse dépression, il y avait des très très grosses vagues. Il allait très bien, hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Donc il revient sagement. Donc après, il va un peu moins vite en pilote GPS qu'en pilote manuel. Hein. Mais il va quand même assez vite, hein, parce que là, il fait quand même 80 mètres pour revenir, ou 90 mètres, je ne sais pas exactement, je n'ai pas regardé la distance. Hein. Mais c'est le spot qui me plaisait bien. Donc voilà, je vais vous laisser juste qu'il arrive en bordure. Et là, il arrive, vous voyez, il y a les cannes. Alors j'ai programmé qu'il passe juste entre les deux autres cannes, comme je pêche avec 4 cannes. Vous voyez, il ralentit tout seul. Et voilà, la télécommande a bipé, il arrive à bon port. Comme un grand. Je continue de m'lancer, c'est un poisson qui n'est pas très très gros, mais qui va servir pour le jeu concours. C'est une belle petite miroir que j'ai déjà pesée. Exact, au 100 grammes près, je vais vous la montrer. Derrière, je vous mettrai comme d'habitude une photo. Voilà cette belle petite miroir. Alors j'ai un doute si je vais en reprendre encore une plus grosse ou pas. Mais c'est un petit poisson, c'est pas grave. Hein. J'ai quand même fait quelques gros poissons. Vous ne les avez pas tous vus, bien sûr, mais je suis quand même en lac de barrage et en sachant qu'il y a plein de monde tout autour et tout le monde est capot et j'arrive à prendre du poisson comme d'habitude. Je vais vous faire la photo de suite pour la remettre à l'eau après.
Je viens d'avoir un super beau déroulé. Je ne voulais pas filmer parce que je n'avais pas le temps. J'étais autre part. Et au résultat, ben, je vais faire une belle petite commune. C'est pour ça que j'ai envie de vous la montrer. Donc les deux derniers poissons, c'est vrai, c'est des poissons qui sont un peu plus petits que ce que j'ai pris. J'ai pris des beaux poissons, hein, que surtout le soir, ou parce qu'actuellement il fait nuit de bonne heure, hein, 7h30, 8h il fait nuit, donc que j'ai relâché à mes pieds tout de suite. Mais j'ai quand même fait un poisson, je ne me rappelle plus, il faisait presque 21 kg que j'ai pesé, et une 19,8, 19, enfin vous verrez sur les vidéos, il y a eu quelques beaux poissons quand même, que vous avez pu voir. Et voilà cette petite commune qui a fait un super beau combat au bout de la canne, une super belle touche, la deuxième belle touche que j'ai dans cette section de pêche. Vraiment magnifique. Alors j'ai les voisins, les vieux du coin qui pêchent, qui sont habitués ici. En fait, ils pêchaient à droite ou à gauche contre la digue. Et depuis deux jours, ils n'ont plus de touche. Et ils se rapprochent avec leur bateau amorceur à 50 mètres de mes lignes. Mais ils n'ont quand même pas de touche parce qu'ils n'ont pas les bons appâts. Ils ne savent pas y faire. Voilà. Alors on monte encore une fois cette petite cocotte. On va passer pour la remettre à l'eau. Ben voilà, cette partie de pêche se termine. On est le matin de bonne heure. Je ne tends plus, j'ai profité de dormir encore ici parce que ben moi, passer une nuit de plus dehors, c'est que du bonheur. Je suis déjà commencé un peu à ranger les affaires, j'attends que tout sèche. Donc, comme vous avez pu constater, quand vous avez regardé la vidéo, j'ai utilisé un bateau amorceur, hein, qui vient de chez Boatman. Comme j'ai dit, vous verrez encore la prochaine fois dans une autre vidéo que j'ai déjà montée. Donc je vais vous tirer une conclusion sur ce bateau amorceur, hein. Alors moi je trouve ce produit idéal, vraiment, comme je dis, l'association n'est pas là pour vendre du matériel, hein, mais pour conseiller à nos carpistes qui me suivent d'acheter du matériel qui fonctionne correctement et surtout qui n'a pas des prix exorbitants, parce que ce petit bateau amorceur qui marche aussi bien par tempête, parce que je l'ai eu ici le cas, hein, dans les vagues, que sur petit plan d'eau ou n'importe quoi, il fonctionne, mais alors c'est vraiment à merveille, hein. Comme vous avez pu voir la vidéo, j'ai filmé ce que j'ai pu, hein. C'est pas évident de tenir une canne, un téléphone en main plus une télécommande, mais après voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc en plus ce qui est bien, il n'est pas lourd pour les gens comme moi qui ont des problèmes de santé. C'est vraiment le top, hein. Il y a vraiment, comme je dis, il n'y a vraiment rien à dire, hein. Il a vraiment, c'est un bateau qui a vraiment fonctionné à merveille. Donc j'avais rajouté un point, hein. C'est les 5 points que j'ai pêché, parce qu'en fait il y a un cinquième point que j'avais mis. Je m'étais amusé à pêcher au zig, comme je vous avais dit dans la vidéo, j'ai attrapé une carpe au zig. Malheureusement les 4 dernières je les ai décrochées. Donc je pense qu'au niveau des montages je suis pas au top, hein. Après j'y connais rien du tout, hein, au zig, hein. Moi je n'ai jamais pêché à cette pêche là mais c'était pour m'amuser de journée, pour voir un petit peu, hein. Mais vraiment il y a vraiment rien à dire, hein. C'est vraiment un produit qui est phare, hein, que je vous conseille fortement. Moi je suis sur un produit que j'ai testé maintenant pour la 5e ou 6e fois cette année, qui a vraiment marché du tonnerre. Là il y avait 12 satellites, hein. c'est vraiment il est là, hein. C'est vraiment un beau petit bijou, hein. Et puis, comme je dis, son prix n'est pas exorbitant. Donc, ça, c'est ce qui concerne avec le bateau amorceur. Par contre, l'association Big Carboilies a fait un partenariat avec le groupe ELEC. Le groupe ELEC, c'est un distributeur de panneaux solaires avec leur batterie EcoFlow. EcoFlow est actuellement une des meilleures marques. Si vous avez pu constater dans la vidéo précédente, quand j'ai filmé les oies, j'avais un panneau solaire, je ne sais pas quoi, il a fonctionné 2 heures. La batterie, elle est raide. Donc voilà, c'est pas un matériel qui marche. Donc j'ai essayé de dépatouiller et de faire un partenariat avec le groupe ELEC. Et le groupe ELEC, eh ben, je vais rentrer à la maison et je vais avoir leur produit panneau solaire 200 watts, mais on peut mettre jusqu'à 400 watts. Et une batterie avec prise de 120 volts,
tout ce qu'il faut hein, pour le quotidien, avec une autonomie de déjà une batterie qui développe 1880 ampères, donc ça pousse, et je crois une autonomie de plus 1100 ampères. Donc après, j'y connais pas trop en électricité, donc j'ai contacté ce groupe, et puis en fait, comme nous on est une association de protection de l'environnement et de la CAR, de prendre de l'électricité propre pour notre pêche, je pense que c'est top. Puis on pourra faire tourner une glacière, enfin voilà, ça sera vraiment avec un stockage de courant pour la nuit, et puis éventuellement s'il n'y a pas trop de soleil, une journée pour continuer à pouvoir utiliser. Donc dans ma prochaine vidéo, que je vais descendre en Alsace pour quelques jours avec Adriano de nouveau, donc je vais vous montrer cette installation électrique de chez Ecoflow. Ça c'est en ce qui concerne pour mon partenariat. Après, au niveau de la pêche, j'ai encore bien pêché. J'ai encore fait pas une énorme grosse pêche, mais quand même, je suis sur un lac de barrage d'une plus d'une centaine d'hectares. Bon, il est un peu, le niveau il est bas parce qu'on arrive en fin de saison. C'est un barrage qui sert à alimenter le canal, un canal qui va pour la Bourgogne, je pense. Hein. Et donc, il tire dessus. Hein. Il y a plusieurs plans d'eau dans les alentours, des gros plans d'eau comme ça, où il tire dessus pour alimenter ce canal. En tout, j'ai fait 33 poissons. Si je en pêche normale, je fais une décroche et 34 poissons. J'aurais eu 34 poissons. Et par contre, aussi, comme je vous ai dit, j'ai fait 5 touches. Mais hier, ça m'a gonflé. J'ai arrêté parce que j'ai dit, ah non, je cours aux cannes. Déjà, la touche, elle n'est pas parée parce qu'au départ, ça fait une touche retour. Puis après, ça déroule. Et puis en fait, le problème, ce qui se passe, c'est quand ça arrive au bord, le plomb dandine de tous les sens, c'est là qu'on décroche. Donc voilà. Ça m'a pas plu. Ma pêche, donc j'ai posé toutes mes cannes quasiment chaque fois en bateau amorceur. Hein. Je me suis pas fait chier à lancer parce que on avait le droit au bateau amorceur, même au Zodiac. Sur une distance de pêche de 70 mètres, entre 70 et 80 mètres, pas plus, hein, juste au niveau de la cassure, ce que vous avez pu voir à l'éco-sondeur. Et j'ai pris pas mal de poissons sur vraiment des gros casse-croûtes avec 2, 3, voire même 4 bouillettes, une contre l'autre. 4 bouillettes de 16 mm, ça, je sais pas, elles étaient un petit peu bornées là-dessus. Sur les petits appâts, j'ai pris aussi du poisson, mais en fait, je me suis fait beaucoup dévorer par les poissons-chats. Donc, vous avez un bon produit qui est dans l'eau, ils étaient au rendez-vous. Donc voilà, et après, comme je vous ai dit, je vais descendre en Alsace pour avec Adriano, et puis pour quelques jours, de voir un peu sur sa gravière, là où j'étais déjà allé l'autre fois, de finaliser la vidéo. Enfin, elle est prête déjà, mais bon, après, il y a encore 2-3 petits détails à régler. Il y a plusieurs vidéos qui sont prêtes à la maison. Vous allez voir avec le bateau amorceur que je teste avec le Robésien. Et puis voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo, et puis surtout si vous êtes après intéressé par ces produits Ecoflow ou par le bateau amorceur, n'hésitez pas à me contacter, hein. Vous aurez une super réduction, hein. Moi j'ai cette centrale électrique à un prix que je peux pas vous dire malheureusement, mais vous aurez un prix pas le prix que vous allez trouver sur internet, hein. Le prix que moi, que le partenariat avec Bicarboilis, comme une association de protection de la nature et de l'environnement, donc c'est des produits qui vont avec, donc ils étaient ravis de faire un partenariat avec moi. Pour finir, je vais juste rajouter que j'ai la collection de casquettes et t-shirts qui vient d'arriver. Pour tous les gens qui sont intéressés d'avoir une casquette et un t-shirt, vous devez me contacter pour obtenir ça. C'est déjà s'adhérer à l'association Bicarboilis, ça c'est déjà une première des choses, et de faire une commande de bouillettes, et le t-shirt sera offert dans le carton avec les casquettes. Alors ne vous hésitez pas à vous abonner à la chaîne Bicarboilis et à mettre un gros pouce, et je vous dis à bientôt.